Je ne suis pas de ceux qui disent je peux faire ceci ou cela, alors que ils ne parlent qu'à la bouche. Donc, moi je dis que il y a continuité de l'État. Ce n'est pas lui qui a commencé avec le dossier de la CAN 2012. C'est son père. Le père est mort. Le fils a vu la CAN 2012. Il peut initier la CAN 2017 et ne pas voir la CAN 2017. Je ne dis pas qu'il va mourir. Je dis qu'il ne peut ne pas être à la tête de l'État. De cela, il ne faut pas craindre cette programmation. Ce qu'il faut redouter, c'est que nous sombrions encore un peu plus corps et biens, parce que nous savons que ça va encore être l'occasion de détournements, de gros détournements, et que ce faisant, c'est le peuple gabonais qui va encore partir d'une mauvaise gestion et des mauvais choix qui sont faits, alors que abriter la CAN aurait pu nous permettre, à nous Gabonais, de renouveler toutes nos infrastructures sportives, d'avoir des aires de jeu, de provoquer un engouement chez nos jeunes, dans tous les établissements scolaires et universitaires,